Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il se fait toujours un plaisir et un devoir de venir analyser la politique, que ce soit au fédéral, au provincial et même au municipal, et aussi politique américaine, parce que là, il y a des élections qui s'en viennent, puis ça va jouer du coude, ça va jouer très dur. Alors, mon invité est analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Ah oui, bonne année. C'est notre première entrevue. Ben oui, c'est notre première entrevue. Ben oui, c'est notre première entrevue de l'année. Voilà, alors, pareillement. Maître Marc, en tout premier lieu, moi, j'aimerais qu'on parle de politique américaine. Parce que quand on regarde tout ça, tout ce qui s'en vient, on ne s'éternisera pas là-dessus, par exemple, mais ça fait rien, j'aimerais ça en parler, parce que ça s'en vient à l'automne 2024. Ah ben, novembre. C'est vrai, novembre, oui, exactement. Novembre. Trump, Biden. Moi, là, je vais vous poser là, 5 petites questions vite, puis je vous laisse répondre, OK? Biden est-il vraiment de taille à Trump? Biden se fait-il trop vieux? Y en avait-il un autre ou une autre au Parti démocrate qui aurait pu se présenter? Et qui aurait pu se présenter à sa place? L'âge peut-il jouer en sa défaveur? Et Trump, 76 ans, a de l'air beaucoup plus en forme. Ouais, je vous laisse avec ça. Je vais répondre rapidement en disant, écoutez, premièrement, on aura l'occasion d'y revenir plus ça va s'approcher, parce qu'au mois de novembre, il va avoir pas mal d'actions. Mais je vous dirais... Pour moi, M. Biden est âgé de 80. S'il est réélu président, il va sortir de là, comme dirait quelqu'un, à 84 ans. Il va falloir qu'il soit bien encadré, bien entouré. Il va falloir qu'il y ait du monde vraiment autour de lui, là, très fort. Ce qui semble être le cas actuellement. Oui, exactement. Ce qui semble être le cas. Bon, est-ce qu'il est trop vieux? Bon, c'est pas à moi à répondre à ça, mais je vous dirais, il n'y a personne d'autre qui s'est présenté. Donc, répondre à votre question, non, il n'y a personne d'autre. Et il est trop tard actuellement parce que la machine est partie. Oui, puis, bon, écoutez, on est à 10 mois de l'élection. Puis les gens disaient, ben oui, mais... Kamala Harris, non. Oubliez ça, là. Il y a même Madame Obama, l'épouse. On a parlé de Michelle Obama, mais non. Ouais. Non. Elle était chez elle à 200 000 piastres par mois. Regardez. Là, actuellement, bon, ce qui est intéressant, c'est que là, la campagne électorale pour les primaires et tout ça va perdre tout son intérêt, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est clair que M. Trump va être désigné candidat pour le Parti républicain. Là, l'élection n'est pas encore faite, mais je vais vous dire, je peux même pas nier qui elle est, elle est candidate contre lui. Je peux même pas m'imaginer qu'elle peut renverser le raz-de-marée qui est en train de se produire. Non, puis d'ailleurs, à la prochaine primaire, après, j'ai l'impression que ça va être fini. Puis même là, au New Hampshire, puis elle a tombé à Caroline du Sud, ça a pas... Puis ça, c'est son état, Caroline du Sud. Alors moi, je m'imagine, j'oublie ça, j'en parle plus. Même la prison pourrait pas arrêter M. Trump. Imaginez-vous, celle-là, je la trouve forte. Aux États-Unis, là, ceux qui ne croient pas, là, aux États-Unis... Tu peux être candidat, tu peux même être élu gouverneur, tu peux même être élu président en étant détenu. En prison. Aller en prison. Alors, imaginez-vous, voilà. C'est complètement, c'est d'un ridicule consommé. Jamais au Canada, au Québec, jamais ça serait possible. Bon, mais lui, à toutes les fois qu'il sorte quelque chose contre lui, il ramasse du cash. Oui. Puis il ramasse du cash pour sa campagne électorale. Fait qu'oubliez ça, M. Trump sera l'adversaire de M. Biden aux prochaines élections américaines. Et on verra. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut anticiper une victoire de Trump? Moi, je ne peux même pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer qu'il pourrait remporter. En 2020, il ne l'a pas remporté. Et je peux vous dire, je ne peux même pas m'imaginer que Trump pourrait être élu. Avec toutes Là, êtes-vous après me dire... Les cadavres dans le placard. Êtes-vous après me dire que le prochain président des États-Unis, selon vous, ça va être M. Biden? Oui. 81 ans. Ben, c'est la première personne qui me dit ça. Ben, je peux... Écoutez, là, tout le focus a été mis sur M. Trump puis la campagne pré-république. Là, la seule chose qui... Actuellement, il ne faut pas s'énerver, là. Actuellement,
La seule chose qui se passe aux États-Unis, c'est les campagnes républicaines, c'est-à-dire pour se faire désigner, vu que tu n'es pas le président sortant, vu que tu n'es pas au pouvoir, alors il doit y avoir ce qu'on appelle une campagne pour se faire élire candidat républicain. Bon, on en entend parler, mais remarquez bien une chose de ce que je vous dis là. À partir de maintenant, vous allez en entendre de moins en moins parler, à moins que M. Trump soit arrêté, détenu, etc. Oui. Puis on va commencer à en parler après les deux courses à chefferie, comme j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire au mois de juillet pour ce qui est des républicains et au mois de, au début d'août pour ce qui est des démocrates. Et là, c'est clair que là, ça va partir. Et là, on parle de centaines de millions de dollars qui vont être investis pour la campagne. Bon, mais moi, pour répondre, revenir à ce que vous disiez tantôt, je ne veux pas être plus long là-dessus aujourd'hui, mais je vais vous dire, moi, je pense que M. Biden pourrait être élu et il deviendrait la plus vieille personne à être élu président et il terminerait à l'âge de 84 ans. Oui, voilà. Il me dit en forme. Mais je regarde autour de lui. Il est mieux d'être bien accompagné. Absolument. Absolument. Ça va y prendre un ou une vice-présidente de très forte carrure, de vraiment, vraiment. Parce que cette personne-là, le vice-président, le secrétaire. Aux affaires internationales, comme là, c'est M. Blinken. Je veux dire, vraiment, là, actuellement, il est bien entouré. Mais il va falloir qu'il le soit encore plus. Encore plus. C'est clair. Exactement. Alors, très, 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 très vite, pas plus qu'une minute, si Trump est élu, il va demander l'immunité des présidents. Oubliez ça. On le voit venir, là. Oui, bien. Puis on dit que à son premier mandat, M. Trump voulait faire bonne figure et s'il est élu comme prochain président, on dit qu'il voudra se venger de ses opposants. Le Canada est-tu frileux? Oui, le Canada est frileux. Okay. Le Canada se prépare. Il y a eu un caucus du Parti libéral au pouvoir au Canada qui prépare la venue possible de peut-être que possiblement... Oui, on y que... va venir. Oh, mais, oui, exactement. Mais c'est drôle, hein? Ils ont eu des problèmes avec... Bon, on le sait, là, que, quand M. Trump est venu au Canada, bien, au sommet du G7, dans Charlevoix, ça a été horrible. Mais le Canada a toujours eu plus de problèmes avec les démocrates au pouvoir. Tout ce qui s'est retrouvé devant les tribunaux, le tribunal international du commerce, etc., c'est ça. Mais ça va être intéressant de suivre ça. Mais c'est clair, clair, clair que déjà, il y a une équipe, M. Trudeau l'a dit la semaine dernière, il y a une équipe Canada qui est en train de se mettre en place, incluant l'ambassadrice du Canada à Washington. Oui. Bon, c'est M. Champagne qui préside. Oui. Et bien évidemment, ça va être extrêmement important que ces équipes-là, ils vont toutes s'entourer de beaucoup de monde, commencent à faire le tour pour préparer la possible peut-être que ça se pourrait que monsieur... Bon, si c'est pas monsieur Trump, tant mieux pour nous autres, parce que là... Mais ça sera pas facile si c'est monsieur Trump. Ça sera pas facile, c'est clair. Vous m'avez vraiment surpris, là, parce que souvent, on jase tous les deux ensemble, puis vous m'avez vraiment surpris quand vous m'avez dit que vous seriez excessivement surpris si M. Biden n'était pas élu. Oui. OK. On verra. On verra. On va aller avec le fédéral. Ah ben oui. Vous connaissez ça, le fédéral? Un peu. Votre chef a déjà été monsieur... Ah oui? OK. Puis on a déjà... Oui, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Ça va bien, là. Ça allait très bien dans notre entrevue, là. OK. On va continuer, ça allait bien. Nous autres, on se comprend, là. Peut-on comparer Poilievre à Trump? Non. On le nomme Trump numéro 2. Il a même dernièrement appuyé le Rebel News, on sait c'est quoi, les camionneurs, il les a appuyés, tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé à Ottawa, il a tout appuyé ça, puis on pourrait en mettre. Est-ce que... C'est un chat de ruelle, mais est-ce que M. Poilievre fait peur? Bien, c'est clair qu'il fait peur, parce que depuis... Écoutez... L'année 2023 était oubliée pour le Parti libéral de M. Trudeau pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai jamais vu autant de gaffes être commises par ce gouvernement-là. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Alors, et M. Poilievre en a profité. Mais si vous écoutez M. Poilievre, c'est quoi qu'il dit?
dit rien. Ben, il dit, excusez. Il dit le bon sens. Oh oui, il dit le bon sens. Il chiale contre la crise du logement, contre l'économie. Il met Trudeau responsable de tout ça, mais il n'apporte pas de solution. Voilà, il n'apporte rien. Il n'y a absolument rien. Et en plus de ça, comme ce n'était pas assez, quand il est à l'extérieur du Québec, qui parle en anglais, ceux que ça intéresse, allez voir ça, ça vaut à peine des fois. Il parle en mal du Québec, puis ben, le Québec bashing, ça existe, oui, puis bon, oui. etc. Moi, je l'ai dit, je le connais depuis quand j'étais député fédéral, c'est un chat de ruelle. Tous les moyens sont bons, tout est bon pour vraiment planter l'autre. On se rappelle quand il était interviewé par un journaliste puis qu'il l'écœurait en mangeant sa pomme. Ah, oui, exactement, bon, c'est oui. exactement ça. Puis moi, regarde, il est comme ça, vous le changerez pas. Est-ce qu'il a des chances de remporter s'il y avait une élection fédérale cette année? Je vous dirais oui. Mais l'élection fédérale est en 2025. Puis là, l'entente est signée avec la NPD, puis ça va bien. Fait que moi, je serais très, très, très surpris. Est-ce que M. Trudeau peut... se faire tomber lui-même? ça, c'est il est capable, dur. Là? De... ça, c'est pas dur, ça, il est capable. Mais... non, je reprends ma question. Non, mais... est-ce que M. Trudeau peut sortir de l'opposition, parce que là, il serait dans l'opposition avant l'élection, puis reprendre le pouvoir, j'entends par ça, les sondages ne sont pas pour lui. Moi, je vais vous dire une affaire, si M. Trudeau, là, il est au pouvoir, comme dirait Jean Chrétien, quand t'es au pouvoir, tu le gardes. Tu fais tout pour le garder. Alors, c'est pas compliqué, ça, là. Alors, puis M. Chrétien, vous le savez, il vient d'avoir 90 ans, on l'a célébré. Alors, je vais vous dire une affaire. Il doit avoir donné des conseils à M. Trudeau. Débrouille-toi pour le garder. Alors là, M. Trudeau est parti. Mais là, vous avez remarqué, ça a commencé lundi dernier, et c'était l'ouverture de la Chambre des communes avec des questions incroyables. La période de questions a été dure. Oui. Et là, M. Trudeau et son équipe ont décidé « enough is enough ». C'est ça, parce que là, on n'a pas vu le même Trudeau qu'avant la rentrée parlementaire. Il va être extrêmement combatif, et moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis dire à M. Poilievre, étouffe-toi, as-tu quelque chose à proposer? C'est ça que tout le monde reproche. Non, mais le gros bon sens. Poilievre... Non, mais disons, c'est gros bon sens. C'est ça que tout le monde reproche à Poilievre, ceux qui suivent la politique, là. Ils chiolent contre tout. C'est toute la faute à Trudeau. Tout ce qui est rouge, il rentre dedans. Non, c'est toute sa faute à Trudeau. Quand on lui demande, c'est quoi la solution du Parti conservateur contre la crise du logement? Pour l'économie, etc., il répond pas. Ben non, il y a rien. Il peut pas répondre, il n'y a rien. C'est pas compliqué. Ils veulent le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, non. Ça ne marchera pas. Et là, ça devient intéressant. On va suivre ça, mais moi, je vous dirais, là, le budget fédéral... Oui. Ça, fin mars, début avril, ça, là, c'est la période des dangers, là. Parce que là, il faut absolument qu'il y ait quelque chose dans ce budget-là pour les soins dentaires, pour les soins médicaux, parce que là, c'est l'entente avec un NPD. Oui. Mais ce serait la pire erreur du NPD de faire tomber le gouvernement. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont vraiment pas prêts. Ils sont vraiment pas prêts. Il y a juste un parti qui est prêt. Le Parti conservateur. Oh, puis encore! En tout cas, il n'est pas prêt au Québec. Au Québec, il ne pogne pas partout, comme on dit. Pas partout. On va aller autant fédéral que provincial. On va s'amuser, à faire du coq à l'âme. À l'automne, M. François-Philippe Champagne avait dit que l'épicerie verrait une baisse marquée dès l'automne. Ah ouais? Vous, en avez-vous vu des baisses? Moi, j'ai vu des hausses, en tout cas. Non, mais c'est... Moi, je trouve ça tellement... Parce que même si c'est encore en hausse depuis le mois de septembre, octobre... Bon, la seule chose qui a plafonné, c'est le taux d'inflation. Oui, exactement. Ça a plafonné. Ça, c'est bon signe parce que la Banque du Canada a décidé de ne pas augmenter les taux d'intérêt. C'est resté à 5%. Donc si les taux d'intérêt restent pareils, puis si ça baisse un petit peu les taux d'intérêt, là, dans le mois de juin, juillet, là... Oh, qu'il va y avoir une bouffée d'air frais. Bon, mais oui, parce que les taux hypothécaires à ce moment-là vont baisser, au moins stabiliser. Bon, alors ça peut être intéressant. Mais pour répondre à votre question, M. Champagne, je dirais, il fera ce qu'il voudra. La game des grosses entreprises, là, que ce soit Loblaws, que ce soit Provigo, Sauvé, nommez-les toutes, là. Je veux dire,
Et ce qui coûte cher, ça a coûté cher aussi à ces entreprises-là, parce que les fruits, les légumes, tout ça coûte plus cher. Terrible. Écoutez, il y avait, quelque chose là, qui a passé cette semaine, ça n'a pas de bon sens. Si vous voulez avoir du bœuf, là, puis pourtant, on a du bœuf ici, là, puis on a pas mal. On s'en parle dedans. Écoutez, ça n'a jamais été aussi haut. Quand vous allez à l'épicerie, c'est pour ça que le monde achète du poulet puis du porc. Parce que le bœuf, tu le regardes dans les tablettes, là, tu te dis, aïe, aïe, c'est donc bien cher. Ah oui. On parle d'un petit paquet, c'est 8,9 $. Alors, c'est pas, ça ne sera pas facile, mais pour M. Trudeau et son équipe, là, c'est le temps de reprendre sa revanche. Madame la députée Leslyn Lewis, députée du Parti conservateur, veut sortir le Canada de l'ONU. On n'en parle pas. La réponse, c'est ridicule. OK. Non, c'est ridicule de penser ça. Exactement. L'immigration. Ça fait le sujet autant au Canada qu'au Québec. C'est clair. Puis, là, il va falloir qu'ils ferment le robinet, là, non, mais parce que là, c'est là ça n'a plus de chance. Là. Écoutez, là, on va essayer, je ne sais pas combien il nous reste de minutes, là, mais je vais vous dire une affaire. L'immigration, au départ, c'était pour dire, ça nous prend de la main-d'œuvre. Vous entendez toutes les chambres de commerce dire, ça nous prend de la main-d'œuvre parce qu'on n'est pas capable d'arriver. Si on n'arrive pas, venez là, bon. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui... Puis celui qui a dit les plus belles paroles, c'est v'là un an, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a dit... Oui, ça en prend. Pas de problème avec ça, l'immigration. Mais vous allez les loger où? C'est ça. Alors, là, on a fait monter les demandes d'immigration, mais on a réduit ou presque l'habitation. Pourquoi? Parce que ça coûte tellement cher. Écoutez, moi, je ne savais pas. Je ne sais pas vous si vous le saviez, mais dans l'année 2023, le coût l'augmentation des coûts pour bâtir... Ça a monté de 41%. Oui, 41-42%, oui. Hey, il y a le 2 par 4 qu'on a ici, en Abitibi, là. Il s'en va là-bas. Ici, il nous coûterait 4,5 $, je ne sais pas, là. Là, il s'en va là-bas, il revient rendu à 7 $. Il revient rendu à 7 $. Non, c'est terrible, parce que notre matière première, là, on l'a ici, nous autres. Mais nous autres, pourquoi vous pensez que ça s'en va tout aux États-Unis ou ailleurs? Oui. Ben, mais les coûts ont tellement augmenté. Donc, au niveau de l'immigration, et là, tu as deux sortes d'immigration. T'as les immigrants qui demandent le statut de réfugié. Oui. Bon, ça, écoutez, on n'a pas bien le choix. Le statut de réfugié, si tu l'obtiens, nanana, pas de problème. Mais entre le moment où tu es déclaré immigrant avec statut de réfugié, ben, t'as le droit à tous les services du gouvernement. Fait que là, c'est là qu'on paye. L'autre chose, c'est les immigrants temporaires. Ouais. Ça, là, c'est tous les étudiants des universités puis des cégeps d'un peu partout qui s'en viennent étudier. Oui. Mais ça, c'est la vache à lait de toutes les universités à l'extérieur du Québec, de l'Ontario, de Calgary, de Vancouver. Oui, puis le nombre de Chinois, de Japonais puis de Taïwanais qui s'en viennent à Vancouver, là, ils payent et ils s'en foutent. Ils sont prêts à payer. Si tu mets la hache là-dedans, là, ça veut dire que tu fermes la porte. Si tu fermes la porte aux immigrants temporaires, ben là, c'est bien de valeur. Mais là, tu n'as plus personne. Là. Et là, les universités vont crier famine. Mais le problème, il est encore plus fort que ça. C'est-à-dire que les immigrants temporaires, eux autres, ça vient d'étudier. Quand ils ont le diplôme d'ingénieur, ils devraient faire bye-bye. Ils devraient, mais ils ne font pas. Ils ne font pas. Hey, attendez un peu, là. À regarder ici, là, juste à regarder au Québec, là, à partir du moment donné où tu as un ingénieur forestier qui vient de peu importe dans le monde, mais il finit son cours d'ingénieur, il n'a même pas fini qu'il y a déjà un job ici. Oui. Alors, à un moment donné, vous allez me dire, non, non, mais il vient voler le job de jour. Non, non, calmons-nous, c'est pas vrai. Pas non, non, rendu à ce niveau-là, c'est pas vrai. Bon, mais je regarde les entreprises, restons en Abitibi-Témiscamingue, mais quand même. Il nous manque des soudeurs à l'aluminium. Ça, je demandais ça à la gang de la Reine, puis demandez ça un peu partout. Ouais, là, des MC soudures, etc. C'est incroyable. Là. Mais là, il faut que tu les fasses venir. Alors, tu les fais venir de où? Du Maroc, de l'Algérie, puis tout ça. Mais là, eux autres, ils disent, ben oui, moi, ça me dérange pas d'aller chez vous, mais je ne vais pas là, moi, pour une semaine, là. Puis je ne vais pas là pour un mois, deux mois, parce que tu as besoin de moi. Non, 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 non. Tu me garantis que moi, je vais avoir une job ici, là. Et là, le problème, c'est que tu veux garantir une job. La grande séduction à la serre avec nos infirmières, oui, ça a été de trouver des logements. Alors, c'est
tellement imbriqué. Exactement. Que ça pose un problème. On ne peut pas juste dire immigration. Non, on n'en veut plus parce qu'on va avoir l'air raciste. Non, c'est pas ça. Il faut savoir la contrôler, puis il faut savoir être capable de monter... Vous venez de dire le mot, la contrôler. Ah ben, c'est clair, c'est clair. On passe à un autre sujet. Oui, allez-y. Riez pas, là, OK? Je vous le dis, riez pas. Et mon Dieu, comment à la chefferie du Parti libéral du Québec? Là, faites pas Mme Risky, là, faites pas ça, là. Mon ami Denis! Oui, votre ami Denis. Bien connu, moi, quand j'étais député fédéral, j'étais ministre des Sports. Oui, exactement. Imaginez-vous que je le connaissais. Oh, oui. J'étais président mondial du vélo de montagne dans le temps, puis il était ministre des Sports. On a eu du fun. On n'a jamais... Et croyez-vous? Non, mais attendez. Est-ce que nous aurions tous les deux parlé du Parti libéral du Québec, n'eût été que M. Coderre depuis un mois? La réponse est non. Vous venez de répondre à la question. Voilà. Écoutez, il n'y a jamais mis autant le Parti libéral du Québec sur la map. Oui, c'est sûr. Mais peu importe. On n'en parlait plus. Mais c'est clair. On le voit sur toutes les tribunes. Puis là, il s'en vient faire le tour. Vous allez pouvoir l'avoir en entrevue. Il veut venir faire, il veut venir faire le tour de l'Abitibi. Il veut faire le tour des régions avant d'aller faire le chemin de Compostelle. Alors, mais... Réponse à votre question. Est-ce que j'y crois? Ma réponse, c'est non. Est-ce que je crois qu'il va être candidat? Ma réponse, c'est oui. Il va être candidat, c'est sûr. Mais à l'intérieur du Parti libéral du Québec, il n'est pas nécessairement le bienvenu. Non, absolument pas. Non. Puis, quand on regarde ça, là, aujourd'hui, là, il y a lui qui tarde à donner sa réponse. Je vais aller faire Compostelle avant, puis je vais tirer ça. On le sait qu'il va tirer. Ça, on le sait. C'est clair. Puis, à venir à aujourd'hui, il y aurait peut-être Frédéric Beauchemin que personne ne connaît, ou à peu près. Puis, est-ce que le chef par intérim, aujourd'hui, va se présenter? Non, il ne peut pas. Oui, mais il voulait amender. C'est réglé, il ne peut pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Tanguay se débat actuellement tellement bien à l'Assemblée nationale, c'est qu'il sait qu'il n'y a pas la pression de pouvoir peut-être se servir de son poste pour pouvoir s'être candidat et puis de voir ci, puis de faire ça. Non. Oui, parce qu'il se débrouille bien. Avez-vous remarqué qu'il se débrouille très bien depuis qu'on a dit non, tu ne peux pas être candidat, c'était chef intérimaire. Régler le problème. À ce temps, je fonce dans le tour. Je pensais qu'il avait commencé peut-être à regarder la loi pour essayer de... Ils ont réglé ça lors du congrès du Parti libéral du Québec, l'Assemblée du Conseil général. Okay. Ils ont dit non, merci beaucoup. Bon, la question, c'est est-ce que Marois Risky va y aller? Est-ce qu'il va avoir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il sert en 2025? Oui, mais moi, il y en a un qui m'intéresse. J'aimerais bien savoir. Pouvez-vous faire le téléphone quand vous sortirez d'ici? Est-ce que le fils de Jean Charest va y aller? Oui. Vous dites oui? En tout cas, il va avoir des pressions. Il y a de la pression, c'est clair. Mais donc, je reviens au départ. M. Coderre est en train d'entraîner, de dire, écoutez, là, c'est une course sérieuse, il va falloir qu'il y ait du monde. Vous êtes bien mieux de vous enlever les doigts dans le nez, parce que sinon, vous voyez. Il y a au moins 3-4 candidats solides, je parle. Oui, candidats solides. Pas des beaux chemins qu'on ne connaît pas. Non. Une question, vite fait. Que doit faire la CAQ pour revenir le parti qu'il était en 2022? Ah, vous avez bien chanté, vous. Okay. Non, mais je vais vous dire une affaire. Un, arrêtez de se mettre des plots de banane dans les pattes. Ben oui, au départ. Dire à M. Legault, comme il l'a fait dans le dernier mois, c'est-à-dire rien pantoute, c'est-à-dire tu te vas te reposer, tu parles pas aux médias, tu fais une conférence, à toutes les fois tu fais une rencontre avec la presse, c'est 5 minutes, pas plus que ça. Et il commence à comprendre ça, M. Legault. Et le deuxième point, lui, il va vous intéresser. Je vais le voir venir. Un remaniement ministériel. Et voilà, exactement. C'est clair qu'il y en a un. Ça va aller en juin. Oh, ça va être avant ça. Selon moi, ça va être avant ça. Selon moi, ça va être avant Pâques. Ils attendent juste que les conventions collectives, les ententes soient approuvées. La FIC. Quand ça va être fait, vous allez voir. D'ailleurs, Mme Guilbeault est venue ici. Hein? Oui. Mais elle s'en venait pas ici pour ça, là, parce qu'elle est venue pour 5 minutes. Là, puis, tout le monde a dit, veux-tu même dire pourquoi elle vient ici? Elle aurait pu faire ça à partir de Montréal. Ben oui, je sais. L'avion est arrêté à l'aéroport, puis conférence de presse, on part. Ben c'est pour ça, mais voilà. C'est parce qu'elle s'en venait ici pour saluer le nouveau ministre. J'en ai parlé avec lui, justement, puis avec... Non, mais je vais vous dire une affaire. On ne dit rien pas tout, mais c'est sûr qu'il y a un remaniement ministériel qui s'en vient. Et pour relancer sa machine, pour
tasser certaines personnes qui ont, comme je, avec respect pour Mme Duranceau, là, la ministre de l'Habitation, ouais, qui a fait des niaiseries. Alors, tu gardes. Puis, écoutez, il y a 88 députés. Selon moi, ils vont faire un remaniement ministériel qui va inclure à peu près 5 à 10 députés. Vous l'attendez au mois de mars, avril? Je l'attends tout de suite après le budget. Tout après le budget. Bien, puis je l'attends à la fin des conventions collectives. Oui. Quand ça va être réglé? Je vous pose une question que je ne vous ai pas posée. Ouais. Est-ce que le ministre régional pourrait changer? Il va changer, certain. Il y a un ministre régional qui s'en vient chez nous. Okay. Vous voulez vous savoir de quel boutillier, en plus, selon moi, là? Je l'avais ici. OK, vous l'avez ici. Pas longtemps. On va arrêter. La CAQ prépare une série de réformes. Éducation, santé, transport, construction, travail. Ça va-tu tout être prêt pour 2026? Oui, ça va être prêt pour 2026, dès l'instant où ils vont avoir... Je reviens encore, j'ai un leitmotiv. Dès qu'ils vont avoir réglé les fameuses conventions collectives, puis que là, pour 5 ans, ça va être réglé, moi, je suis convaincu que la CAQ va vraiment... Parce que là, ils n'ont pas le choix. Ils ont baissé d'un sondage. Oui. Puis, il faut qu'ils frappent fort. Là, il faut qu'ils frappent fort. Tout ce que vous avez dit, il faut que le ministre de la Santé avec Santé Québec fasse sa job. Il faut que l'éducation avec M. Drainville fasse sa job. Il y a beaucoup. Ça ne tente pas 650 000 par année? Vous avez une autre question stupide? Excuse-moi, mais pas celle-là. Oui, ah, vous parlez du président directeur général de Santé Québec? Jamais. Ça, là, cette personne-là... Là, ma question, elle n'est pas stupide? Non, je n'ai pas dit ça. mais ce que je veux dire, c'est... Cette personne-là va être tellement sous pression. Il faut qu'il produise. Mais il va être l'employeur le plus important du Canada. 300 000 personnes. 300 000. Au-dessus de 300 000 personnes. 300 000 employés. Il y en a qui en ont 50 000 et qui capotent. Vous avez raison. L'ouverture, on va terminer avec ça. L'ouverture de la session au fédéral et au provincial, on peut s'attendre à quoi? Budget. C'est aussi simple que ça. Bon, il y en a qui vont avoir des prises de bec. Là. On en a parlé tantôt avec les conservateurs versus les libéraux, puis le Bloc va essayer de se faufiler, puis le NPD essayer de se placer là-dedans pour ce qui est du fédéral, avec les périodes de questions puis tout ça. L'ingérence des autres pays, il y a la commission qui vient de commencer, je parle du fédéral. Oui. Provincial, c'est clair que tout le monde attend la signature des conventions collectives. Et puis le travail va commencer, mais sérieusement, la CAQ a un an, puis il aurait tellement voulu que ça soit signé avant Noël, oui, exactement, mais je vais vous dire une affaire, dès que c'est signé, là, accrochez-vous, on va être dans des grands chantiers au Québec. On finit vite avec ça, ça peut être signé quand, la FAE, parce que là, l'émission passe le 7 février, déjà le syndicat qui reste là, le 9e, le 15... peut tout faire virer à l'envers. Écoutez, la date, c'est le 15 février. C'est le 15 février, c'est là qu'on va savoir si... Mais pour moi, tout va passer, sauf peut-être la FAE, puis la FIC qui n'a pas fini de négocier. Mais il faut que ça se règle, il faut que ça signe, il faut que ça se règle, c'est sûr. Parce que ça ne sera pas facile. Mais ils ne peuvent pas retourner en grève. Non, absolument pas. Parce que là, comme on dit, dans notre bon vieux langage, le chiot, il va pas... Ah, mais non, ils n'auront plus l'appui de la population. Cinq semaines de grève, on passe les fêtes en grève. Non, c'était pas drôle. Personne. Monsieur Marc, Maître Marc, merci infiniment. Puis on va se revoir, nous, un petit peu plus vers la fin de l'hiver, si hiver il y a. Vers le budget, disons ça. C'est ça. Maître Marc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. OK, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de... On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.